Et bonjour à tous, c'est Sib33. Et pour ce petit tuto, je vais vous présenter un mode qui s'appelle Too Many Temps. Donc ce mode que vous avez dans un peu partout, mais moi je l'ai dans Pipix, il permet d'avoir déjà tous les objets, tous les items à droite. Et l'avantage, enfin il y a beaucoup d'avantages que je vais vous expliquer, c'est que en cliquant avec le clic gauche comme si on cassait un bloc normal, par exemple sur de la roche, enfin sur n'importe quoi, ça vous donne 64, à part sur une arme ou quelque chose comme ça. Voilà. Si vous faites clic droit, ça vous en donne qu'un. Donc, après, ça vous donne de l'eau statique et de la lave statique. Ça vous donne beaucoup plus. Avec ce mode, on a d'autres spawners à zombies. Par exemple, un spawner à blaze. Enfin, voilà. Enfin, là, ça marche pas parce que c'est la nuit. On peut mettre la nuit, on peut mettre le jour. On peut changer la difficulté directement de là. On peut se régénérer. On peut enlever les effets de la potion avec le soleil. On peut mettre la pluie ou l'enlever. On peut se mettre en mode aventure, en mode créatif, en mode survie. Je reste en créatif pour vous présenter le mode. Et vous pouvez enchanter. Alors ça, c'est vos favoris. Et vous pouvez enchanter quelque chose, mais de très très puissant. Par exemple, on va faire par exemple une houe. Je vois pas trop, une épée. Et par exemple, vous mettez 127 parce que c'est maximum. Hein. On peut pas mettre autre chose. Si vous mettez 999, vous mettrez 127 à chaque fois. Donc, on fait ça à chaque fois. Mince, laisse tomber. Bon, ça encore les autres, c'est pas trop grave. Voilà. Donc on a une vue comme ça. Alors pour la mettre dans les favoris, il faut faire favorite ici, favorite. Voilà, ça vous l'a mis dans les favoris. Ici, moi je l'ai. Et pour l'avoir dans votre inventaire, enfin, vous faites make. Ah non, make. Et vous l'avez. Et regardez ce que ça vous fait. Ça fait ça. Voilà. Ça a mis le cas. Bah, par contre, avec des vaches, ça cuit. Alors ça fait un gros recul, hein, regardez. Voilà. Et ça vous donne beaucoup de... Oh mince. Re à tous. Désolé, c'est parce que mon Minecraft avait craché. Vous avez pu le voir. Hein. Voilà. Ouais. Donc on récolte des items, ça vous en donne beaucoup. Hein. Grâce à... Et grâce à butin. Donc, avec l'avantage, on peut faire une potion. Enfin, une très grande potion. Par exemple, on peut changer la couleur. Ça peut être une splash potion. Ou alors une potion à boire. On peut changer la couleur, par exemple, rouge, rose. On peut l'appeler super potion. Voilà. Et on peut augmenter en cliquant dessus. Et on peut diminuer avec clic droit et clic gauche pour augmenter. On peut faire add effect pour changer d'autres effets. Par exemple, célérité. Par exemple, force. Je vais pas tout vous mettre, sinon ce serait très très assez long. Pour la mettre en favori, vous faites plus fav. Et vous faites make pour la mettre dans votre inventaire. Donc vous la buvez. Voilà, voilà. Et là, ça vous donne vitesse 4, célérité 4 et force 4. Pendant 10 minutes. Plus 520 points d'attaque et plus 80 de rapidité. Voilà. C'est un exemple. Donc on peut aussi faire des feux d'artifice plus facilement. Alors, un feu d'artifice, donc évitez de faire fly 4, et de plus de fly 2, sinon ça va trop loin. Trop haut, je vais vous montrer pourquoi. Par exemple, on va faire comme moi, voilà, hop, je fais des couleurs au hasard. Hein. Donc c'est ce que vous voulez comme couleur. Et voilà, on va mettre grosse boule, flaker, et trail. Et favorite et make. Voilà. Donc vous la cliquez au sol et voilà, ça fait quelque chose de très loin qu'on ne voit pas. Donc il faut mettre du fly 2 favorite mec. Mince. Et voilà, et là ça fait ça. Ah non, ça veut dire donc vaut mieux faire du 1. Ah mais non, c'est normal, j'ai pas utilisé la bonne. Voilà, et ça donne ça. Attendez, je vais juste enlever les effets, c'est un peu gênant. Voilà, donc ça, on va mettre la nuit juste pour qu'on voit mieux. Ça donne ça. Voilà.
Donc, avec ce mode aussi, bon bah en fait, on va avoir directement les potions, quelques feux d'artifice. Alors il y a plein de trucs que j'ai eu avec d'autres modes que je vous présenterai peut-être dans un prochain tuto, je ne sais pas encore. Donc alors avec ça là, la poubelle, par exemple, imaginez vous mettez ça dans votre inventaire, ben vous faites ça là, il y aura le point vert qui s'active et voilà, vous mettez à la poubelle. Save, je m'en sers jamais et ça sert pas à grand chose. Donc et pour supprimer des favoris, vous cliquez. Ah mince non. Mais comment j'ai fait là? Ah oui, ben je crois que vous mettez dans la poubelle. Non. Bon, c'est pas grave. Ça par contre, je sais plus comment on fait pour enlever les favoris, j'avais réussi la dernière fois. On peut aussi enchanter des arcs, hein. Après, ça peut aller très haut. Et je vais vous montrer les effets en survie. Je vais mettre le jour. Amorcer. Par exemple, avec une pioche trop cheatée, enfin voilà. Ça fait ça par exemple. En un seul coup, vous cassez la roche. Et moi j'ai mis toucher de soie, donc ça vous donne la roche comme ça. Ça peut être pas trop pratique. Donc si vous ne voulez pas avoir de la roche comme ça, il faut juste que vous enleviez. Mince, que vous enleviez ça là. Fortune. Non, toucher de soie. Vous ne touchez à rien pour toucher de soie. Sinon, vous mettez 127 et puis, voilà, vous avez tout. Je vais vous montrer ce que ça fait avec ça. Où est-ce qu'elle est? Voilà, là. Voilà, ça donne de la cobble. Et ça va être très pratique parce que ça casse facilement. Et même un bloc très très dur, voire impossible à casser, ça, en un coup ça casse. C'est magnifique comme mode. Franchement, c'est très bien. Donc je le conseille, enfin il est fortement conseillé. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto, c'était ici 33 et rendez-vous pour un prochain tuto. À plus.